Alors, je suis Alexandre Brédimas, je suis le président de Bluemapping. Bluemapping, c'est une start-up qui a été fondée en novembre 2022 et qui commercialise une solution de modélisation du ruissellement pluvial. Et donc, le ruissellement, c'est terrible, c'est très mal connu déjà. Il y a la plupart des sinistres inondations qui sont hors des zones réglementairement inondables. Ça va affecter 175 000 personnes en France. 1,2 million de bâtiments, toutes les infrastructures, les routes, les rails, l'eau, l'énergie, tout ce qui est pollution, ça va délaver les sols, emporter les produits phytosanitaires, les pollutions, les macro-déchets sur la voie, et puis aussi éroder les sols. Donc c'est vraiment un enjeu national, ça touche le monde entier, c'est un problème majeur. Et nous, notre solution utilise un modèle par automate cellulaire. Donc on prend le territoire, on le maille selon d'ailleurs les données IGN et BRGM qu'on utilise déjà, les données Météo France qu'on utilise déjà et qu'on veut utiliser encore plus. Et donc en gros on va couper le territoire en mailles carrées et chaque maille est un automate cellulaire. Et on met ensuite des capacités de calcul haute performance dans le cloud pour simuler le ruissellement à des très larges échelles avec une résolution qui est métrique. Et puis des temps de calcul qui sont de l'ordre de quelques minutes. Donc c'est absolument révolutionnaire, ça génère des usages absolument nouveaux en la gestion de crise ou la simulation en web ou la génération de larges sets de données, enfin de simulations par appel par notre API. Et donc le projet qu'on souhaite soumettre avec l'IGN, le BRGM, correspond vraiment exactement à notre besoin. C'est incroyable comment c'est... On prend à peu près toutes les données de tous les acteurs de cet appel à projet, donc l'IGN, on utilise déjà RGALT, BD Topo, mais il y a plein d'autres données qu'on peut utiliser. Le BRGM, on n'utilise pas encore, on utilise pour l'instant des bases de données européennes. Et l'objectif du projet, c'est de créer un jumeau numérique du territoire national, c'est-à-dire de toute la France, de créer un jumeau numérique complet, donc en générant un workflow automatisé de traitement de toutes les données, pour générer des données par défaut partout en France. Comme ça, quand nous, on va aller commercialiser la solution, il y aura toujours une donnée par défaut qui sera améliorable, mais en tout cas qui sera de très bonne qualité. Ça va nous aider à répliquer vraiment massivement. Et puis aussi, il y a une aide à la commercialisation, à la réplication commerciale en général, et tous les soutiens qui sont fournis, ça nous convient vraiment parfaitement.